J'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui fait du mal aux autres juste pour se marrer. Au revoir, Max. Mais... non, non, attends, attends. D'accord, pour toi, je vais arrêter les blagues. Je suis sérieux. Stop ! Arrêtez de rire ! Oh ! Et vous arrêtez de tomber ! Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe rien, c'est un jour particulièrement calme. Quelqu'un a fait une blague à Bradford, trop drôle ! Quand j'aurai trouvé le fauteur de trouble à la casquette rouge qui a fait ça, je le ferai aussitôt renvoyer du lycée. Fouille de tous les casiers. Je vais commencer par... oh, j'en sais rien. Max Sunderman. Tu as fait cette blague à Bradford? Pourquoi tu crois que c'est moi? Parce que tu n'arrêtes pas de piéger les gens. Et la véritable victime, c'est moi, parce que j'ai cru que tu arrêterais. Vous ne trouverez jamais la casquette dans mon casier. Parce qu'elle se trouve dans mon sac à dos. Ouh! Casquette gratuite! Votre casier, c'est bon. Maintenant, faites voir votre... C'est vous! Wolfgang! Je suis venu pour m'excuser de t'avoir accusé d'avoir fait cette blague. Oh, t'as vraiment pas à t'en faire pour ça. Merci d'être passé me voir. Je me sentais trop mal de t'avoir traité de menteur. Je sais, j'aurais dû te faire confiance. Est-ce que ça sent la saucisse? Mon père est un grand amateur de viande séchée. C'est pas étonnant. Enfin, bref, c'est clair que c'est moi qui ai un problème. Après tous les efforts que tu as fait pour changer, c'est moi qui dois devenir meilleur pour toi. Je suis désolée. Est-ce que tu me pardonnes? Ah, toi et tes yeux pleins de confiance. Je peux pas faire ça. C'est moi qui ai piégé Bradford. Quoi? Toi et tes yeux pleins de colère. Tu vois, j'ai essayé d'arrêter de faire des blagues pour de bon d'un coup, mais c'était trop dur, alors j'ai voulu en faire une dernière et Wolfgang a été accusé à tort. Alors tu as laissé ton ami porter le chapeau et ensuite tu m'as menti. C'est ça, mais pour ma défense, j'ai choisi de lui proposer de se planquer dans mon antre. Je suis vraiment désolé. J'ai fini par comprendre ce que t'essayais de me dire. Mais il a fallu que quelqu'un soit blessé pour que je m'en rende compte. Ouvrez la porte, Sunderman! C'est Bradford. Je sais que Wolfgang est chez vous. J'ai reçu un appel d'un certain docteur Colosso. Principal Bradford. Quelle agréable surprise. Navré, mais Wolfgang n'est pas là. Je sais que vous le cachez. Je fais officiellement appel à l'autorité de l'ordre des principaux pour fouiller cet endroit. Je crois pas que ça existe, mais ne vous gênez pas. Bah ouais, je vais me gêner. Non. Désolé pour ce truc-là, mon petit frère Billy est un incorrigible farceur. Génial. Encore un Sunderman bientôt dans mon lycée. Il va déguerpir. Sauf s'il découvre mon antre. Un passage secret en bas. Ça pue comme Hans Sueur et Gretel là-dedans. Je vous ai déjà dit qu'il n'était pas chez moi. Alors expliquez-moi la présence de ces saucisses allemandes. Mon père est un grand amateur de viande séchée. Ouais, c'est pas étonnant. D'accord. J'imagine que Wolfgang n'est pas là. Gesundheit! Ah, vous étiez là! Je ne m'allais lever. Je vais vous... Votre frère, rien! Oh non! Ces saucisses vont pas le retenir longtemps. Courez! Chez Wolfgang, chez moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Meine Moutarde aux épices. Nein. Je vous tiens. Allez, aidez-moi à sortir. Bradford, vous pouvez pas renvoyer Wolfgang. Le renvoyer chez lui? Je n'ai pas l'intention de le renvoyer. Il adore vivre ici. Et... attendez, quoi? Vous avez compris. Pendant que je remplissais le formulaire de renvoi, j'ai vu que le lycée gagnait 4 000 $ tous les mois pour chaque étudiant étranger inscrit à temps plein. Wolfgang! C'est exact. Va-t'en, volatile décérébré. Il faut que je tourne cette vidéo. Je veux gagner le concours sur piailleur. Le premier à être repiaillé plus d'1 000 000 de fois gagne 10 000 $.
Laisse-moi deviner, t'as un projet grandiose et grotesque en tête? Non, je veux simplement acheter une petite île dans le Pacifique et y instaurer une dictature nommée Maxlandia. Le genre de vidéo que tu devrais faire. C'est une super idée, Nora. Je te vire. Phoebe, est-ce que ça va? Tu me laisses ton portable 2 minutes? C'est bien essayé, Max. Mais tu postes pas de vidéos humiliantes. C'est pas facile d'être un cygne. Tu tires. Il est temps de poster la vidéo mythique qui va me payer mon île. Et hop, je mets la chute de Phoebe sur mon mur piailleur. Et maintenant, je frotte le téléphone de Phoebe sous mon aisselle. Bien, alors voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Où est passée ma vidéo? Supprimée. Oh, Max! Il y a quelques heures, je suis venue dans ton antre pour frotter un certain nombre de choses sous mon aisselle. Et j'ai vu que ton ordinateur était resté allumé et que t'étais encore connecté à ton compte. Quoi? Impossible, j'oublie jamais de fermer ma session. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui a oublié de se déconnecter. Désolé, j'avais des choses importantes à faire ce matin. Espèce de poule hypertrophiée. Vous venez d'agresser l'empereur de Maxlandia. Vous venez de récidiver. De me suivre partout, c'est inutile, tu pourras pas me faire rater. C'est mort, je t'assure. Non, tu es trop doué sur scène. C'est pourquoi je te boucle dans le KGB. Hein, quoi? Max! Max, mais qu'est-ce que tu fabriques? Le majestueux cygne noir va enfin pouvoir faire des couacs. Ce costume fait vraiment ressortir les muscles de notre fille. Ce n'est pas fini, je suis sûre que c'est Max. Déchire tout, ma douce. Elle est sortie du poulailler, alors je prends mon envol. Ça commence à devenir bizarre. Oh, je vais me prendre le nuage sur la tête. Faire ça, je suis un super vilain comme vous. J'ai un repère, je déteste les chiots et j'éternue dans le désinfectant pour les mains. Colosso, dites-leur.
Ouais, c'est ça. Comme si le fils de Thunderman pouvait être un super vilain. J'avoue que là, il marque un point. Ce que je vous dis est vrai. Allez, venez, Colosso. Il reste un peu de temps avant qu'il ne fasse son dernier plongeon. Ouais. Thunderboy, veille à crier fort, de façon à ce qu'on sache quand le spectacle commence. J'adore votre côté pince sans rire. Docteur Colosso, vous allez vraiment les laisser me plonger dans cette cuve? Eh bien, pour être honnête, oui. Max! Oh, bonjour, docteur sale traître. Je mérite ce surnom. Pourras-tu jamais me pardonner? Peu importe qu'il croit que je suis tout ramollo. Rien ne justifie que je trahisse mon copain Max. Attendez, vous êtes venu me sauver? Mais vous faites quoi de King Crab? Ce homard sur pattes. Il ne me fait pas peur à moi. Ah, vraiment? Ah, ne me passez pas, je vous en prie. Ma foi, tout ceci est si touchant. Oh, pardonnez-moi, mais je dois sécher mes larmes avec ma pince. Très bien, vous m'avez eu. Max Thunderman et moi, nous sommes amis. Oh, alors je suppose que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je vous réunisse tous les deux. Je ne peux m'empêcher de penser qu'une partie de ceci est de ma faute. Vous êtes vraiment pas croyable. Je pourrais pas avoir ma propre cuve, s'il vous plaît. Toi, tu veux que je vous sépare? Je laisse à ces crustacés affamés le soin de s'en charger. J'avais dû te trahir. Ce n'est rien. Je peux pas blâmer un ami d'avoir voulu jouer au super vilain. Mais ils sont où les méchants? Fini! J'aurais jamais cru qu'un jour je serais heureux de l'avoir. Tu as retransformé Colosso en humain? Oh, papa va te tuer quand tu rentreras à la maison. Je serai mort dans 5 minutes si tu nous fais pas descendre de là. Dépêche-toi. Bravo. Tu es la fille de Thunderman, je présume? Oui, c'est elle. Prenez-la et laissez-moi partir. Colosso! Oh, désolé. Laissez-nous partir tous les deux. Sautons-lui dessus. Oui, tout seul, il n'a aucune chance contre nous. Sauf si l'un de nous deux est un lapin. Que s'est-il passé? J'avais réglé le minuteur de l'animaliseur parce que je croyais qu'on serait rentré à la maison. Bon, on change le plan. Tu te bats et moi je garde tes clés au cas où tu perds. Bonne chance, mon vieux. Vous allez devenir un poisson volant. Je ne suis pas un poisson. En fait, je suis un quart crustacé du côté de ma mère. C'est la fin pour toi, Thundergirl. Lâchez ce truc. Toi, lâche-le. Phoebe, utilise ton souffle de feu. Non, je risquerais de te toucher. Colosso, dis-moi tout ce que tu sais à propos de cet homme crabe. Il est indestructible, il connaît des techniques de kung-fu imparables. Oh, et surtout, il adore percer le papier bulle avec sa pince. Il adore éclater les bulles? En quoi est-ce que ça peut m'aider? Une petite minute. Chérie, je veux que tu fasses des papouilles à Chloé. Quoi? Très bien. Des bulles! C'est toi qui vas être explosé maintenant! Oh, oh, toi, c'est décidé, je te garde! Wow, wow, ça ressemble trop à du travail, ça. Vois avec ma secrétaire pour fixer un rendez-vous. Qui serait assez débile pour être ta secrétaire? Je peux te proposer un rendez-vous dans 3 semaines à compter d'aujourd'hui. Chérie, tu travailles pour Max? Ça me fait une expérience pour mon CV. Je peux quand même pas juste rester dans ce lycée sans rien faire.
Non, hé, Phoebe, je vais te montrer pourquoi c'est super d'être président. J'ai droit à mon serviteur personnel. Hé, hey, Flunky, amène-toi. Ça boum, président. Est-ce que cette fille vous embête? J'aimerais qu'elle m'embête, moi aussi. Eh bien, je savais que t'allais prendre ce rôle de président comme une farce, donc j'ai élaboré quelques idées pour améliorer la vie au sein de l'école. Tiens, j'ai appelé ça la règle de trois. Max, je suis ta vice-présidente. Dis-moi comment ça s'est passé avec Bradford. T'inquiète, j'ai assuré. Tiens, regarde la nouvelle mascotte. Le raptor a refusé de me taper dans la main. C'est parce qu'il est trop occupé à faire du bien aux autres. Raptor ! Raptor ! Raptor ! Raptor ! Raptor ! Raptor ! Tu as vu aussi ces gros sacs à dos ? Oh, mais attends ! Mais aucun élève n'en a ! En fait, j'ai convaincu le principal de mettre tous les manuels scolaires en ligne. Ingénieux, hein ? On peut le dire. T'es vraiment le meilleur, Max ! Depuis que j'ai plus mon sac sur le dos, j'ai gagné 7 cm ! Alors, à moi l'équipe de basket ! Pourquoi j'ai fait ça ? Oh, et laisse-moi deviner, tu as mis des produits sains dans les distributeurs. Non, je vais plutôt remplacer les vieux distributeurs par des distributeurs de smoothies. Il y aura une cérémonie pour l'occasion, je peux sans doute t'avoir une invite. La mascotte gentille avec tout le monde, les efforts sur la nourriture, la fin des sacs trop lourds, tu as volé ma... Règle de trois. C'est pour ça que les gens se rappelleront de Max Sunderman comme étant le plus grand président du conseil des élèves de toute l'histoire de notre lycée. C'est ce dont j'ai toujours rêvé, monsieur. C'était mon rêve à moi. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Pourquoi t'as fini par lâcher l'affaire? Tu vas vraiment laisser Max agir comme ça sans rien faire? Tu l'as entendu, le vice-président n'a aucun pouvoir, je peux rien faire. Tu sais, tu pourrais devenir présidente si quelque chose devait arriver à Max. S'il te plaît, Nora, je suis pas d'humeur à écouter tes perfidies. Tu penses à quoi aujourd'hui? Lis cet article du dernier numéro d'Étudiant Diabolique Magazine. Cette plante exotique russe vous garantira une semaine de maux de vent. Oh, oh, pas si vite, mon ange! Je dois goûter les plats de Max avant qu'il ne les mange, au cas où ce serait empoisonné. Ou trop délicieux. Non, Flucky, ne mange pas. La pizza est super, Max! Contrairement à mon ventre. J'ai une faim de... Plus rigolo si tu ne ressemblais pas à un bonhomme de neige sur une moto invisible. J'en veux à Flunky. Oui, et j'en veux aussi à moi-même d'être ami avec lui. Oui, cette plante russe lui a vraiment fait de l'effet. Quelle plante russe? Pourquoi t'as fait ça? Désolée, mais j'ai paniqué. Tu sais quelque chose, pas vrai? Dis-moi tout. Oh, c'est pas juste, je mérite pas d'être ici. Je vais à mon rendez-vous. Cette machine est une idée de mon frère, et c'est de ma faute s'il ne peut pas être à ma place pour l'inaugurer. Qu'est-ce qui lui prend? Je crois qu'elle se sent mal par rapport à ce qu'elle t'a fait. C'est trop mignon. Elle a un petit copain? Non, 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 elle peut pas faire ça. Si elle est mal, je serai mal moi aussi. Alors, Max, ce smoothie est pour toi. Oh, ça y est, je me sens mal. Pousse-moi. Phoebe, attends! Max? D'accord, j'ignore ce que signifie cet accoutrement. Mais je suis contente que tu sois là. J'ai quelque chose à t'avouer. T'en fais pas, je suis déjà au courant. Je regrette ce qui t'est arrivé. Après tout, je l'ai peut-être mérité, je t'ai volé tes idées. Mais tu les as améliorées. Tu es réellement un super bon président et c'est toi qui devrais inaugurer cette machine. T'es un super bon président. Non, toi, t'es une bonne présidente. Bon, on inaugure cette machine. Elle a enfin un drôle de bruit. C'était pas pour moi, pas vrai? Ne gâchons pas ce moment. J'ouvre celui de Phoebe. Waouh! 5 A et un tout petit B! Un B? Fais voir. En cours de dessin? Mais vous avez adoré le cheval que j'avais pas? C'est un cheval, bien sûr! On vient de résoudre le mystère! Alors, Max...
Une série de A. Quoi? Il y a un autre Max Thunderman à l'école. Oh, viens là, je suis tellement fière de toi. Tu t'es enfin décidée à oublier ces histoires ridicules de génie du mal. Et tes efforts ont payé. Bravo. Quelqu'un a bien été payé, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Sorette? On peut réussir sans se tuer à la tâche. Attends, déjà, Lucine. Je vais aller bricoler ma fusée, parce que je l'ai bien méritée, parce que dans mon bulletin, il n'y a que des A. Et dans le tien, il y a des A et un B. Il y a autre chose dans l'enveloppe. Une lettre qui dit que tu as été transférée dans la classe des cracks en maths. Quoi? C'est la classe de ta sœur. C'est trop chou, tous les deux, vous allez étudier ensemble. Je vais le coller sur la porte du réfrigérateur. Oh, et le tien aussi, Phoebe. C'est bien de faire ça. Oui, t'as raison, c'est pas correct. Vas-y, balance. C'est vrai, j'ai trafiqué mes notes, mais j'avais pas prévu le coup des maths. J'ai bossé comme une folle pour intégrer cette classe, Max. Alors débrouille-toi pour te faire virer. Ça me saoule d'avance, j'irai pour dormir. Oui, t'auras rien de mieux à faire, le niveau est trop fort pour toi. Trop fort pour moi? Oui, tu vas avoir beaucoup de mal à suivre. Du mal à suivre? Il n'y a pas une équation au monde que je ne sois pas capable de résoudre. Résous ça, Max plus cette classe égale piteux échec. Bonjour tout le monde, à vos places, allez. J'ai une excellente nouvelle pour vous. J'ai finalement sélectionné les deux chefs d'équipe pour notre belle compétition. Notre première chef d'équipe est Phoebe Thunderman. Logique, t'es la meilleure. Et celui qui sera l'adversaire de Phoebe est un nouvel élève de cette classe qui m'a supplié ce matin sur le parking de le nommer chef d'une équipe, Max Thunderman. Présent. Max. Salut, j'ai rapporté de la barbe à papa. Wow, bien joué, du monde. Max, 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 Max. On va faire un deal. Dès que je remporte la compète, tu te débrouilles pour changer de classe. Et si c'est moi le vainqueur, tu acceptes de porter ce t-shirt pendant toute l'année scolaire. D'accord. Ok. De me dire quelle est la surface d'une sphère dont la circonférence est de 6 cm. Mais... je voulais pas appuyer. Maman a dû riper. Désolée. Dommage, mais les règles sont formelles. Un coup de buzz accidentel donne la priorité à l'autre équipe. Monsieur Pines, c'était vraiment une super question et Ashley n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour y répondre parce qu'elle a le trac en public. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu essayes de dire. Trigo Bonobo, j'attends toujours votre réponse. Max, on peut pas prendre le risque de dévoiler nos pouvoirs. Je le ferai plus si t'arrêtes. Non, c'est faux. Oui, c'est faux. Écoute... J'avais juste l'intention de dormir en classe, mais ensuite t'as dit que j'avais pas le niveau. Je suis désolée d'avoir sous-estimé tes dons. L'effet le prouve, t'es super bon en maths. Merci. Mais t'es aussi super bon pour me gâcher cette compète. T'es sérieuse? Regarde, c'est qu'une bande de nerds. Et un type zarbi déguisé en tic. Écoute, peut-être que toi t'aimes pas les études, mais moi j'adore, c'est mon truc. Toi, t'as ton antre, où tu construis tes fusées et toutes tes autres inventions de Barjo. Alors que moi j'ai lissé les clubs, les maths et mes amis. Ici, c'est mon antre. Alors Max et Phoebe, c'est l'affrontement final, que le meilleur gagne. Combien de newtons faut-il appliquer à une fusée d'environ 30 kg pour qu'elle atteigne sa vitesse de libération? Max, trop de chance, tu connais? C'est parfait pour toi. Très bien, mais c'est cool. La tic fait tic-tac. Alors il faut 1000... 1 000 017 000. 1 000 017 000. Quoi? Non, ça sort d'où ce nombre bizarre? Non, cela veut dire que les vainqueurs sont les algèbres swag. Voilà notre nouveau plan. Nora, tu fais un trou dans le plafond avec ton laser. Je fais léviter Billy à l'intérieur de la chambre. Il s'empare de la plante et sort à toute vitesse. Ensuite, on se retrouve tous les trois à Cleveland. Et on nourrit la plante de pétards et de meubles de jardin. C'est terrible! J'ai renversé de l'eau sur Daphné et je crois que ça l'a tuée! À propos, c'est à Cleveland que je t'aurais cherché en premier. Tu vois qu'on aurait dû choisir Miami. C'est très grave, je vous assure. Ma prof m'a choisi pour veiller sur sa plante favorite et je l'ai laissée faner. Max, il faut que tu m'aides. Je sais pas si je peux. Est-ce que tu te rends compte? C'est pas comme si j'étais une sorte de savant diabolique, enfin tu vois. Est-ce que c'est
juste un prétexte pour porter un déguisement ridicule. Non, mais en voilà un. Ici, les assistants. C'est dingue, j'ai ma bosse qui me gratte. Ben, c'est dommage pour toi parce que moi, j'ai l'air divine. Ne t'occupe pas de moi, Max. Ce n'est pas comme si j'avais envie de porter un déguisement rigolo. On arrête avec les déguisements et on se concentre sur la matière végétale. Voyons voir ce qu'on peut faire. Essence de rayon de lune. Oui, maître, tenez. Hormone de croissance. Oui, maître, tenez. Œil de triton. C'est dégoûtant, maître, tenez. Et voilà. Mais avant d'aller plus loin, tu dois me promettre que si je ramène la plante à la vie, tu me laisseras la nourrir. Oui, vas-y, fais-le. Et attention les yeux. Est-ce que tu aimerais une grosse pomme? Max, arrête, ça suffit! T'es responsable, fais quelque chose! C'est toi qui m'as demandé de ramener la plante à la vie! Oui, mais je t'ai pas demandé d'en faire un monstre mutant! Mais justement, c'est la signature de Max! Bon, voyons. Et lundi matin, quand ma prof me demandera pourquoi la plante a des crocs et arrive à suivre les conversations, je lui dirai « Eh, c'est rien du tout, enfin, c'est justement la signature de Max. » Rends-lui son aspect normal. Et tu as dit que si j'arrivais à lui redonner vie, je pourrais lui donner à manger. Et les super-héros ne reviennent jamais sur leurs paroles. Oh, parfois je hais mon code d'éthique. J'embarque Daphné et tous les deux, on va faire un festin dans mon antre. Allez, deuxième tournée. Tout ce que j'ai trouvé, c'est la réserve d'urgence de poulet pané de mon père. Wow. Dis-moi, docteur Colosso, je suis parti qu'une minute, comment elle a pu grossir autant? Réfléchissons, c'est peut-être à cause du jambon, ou des cornichons, ou, à tout hasard, de la grosse injection d'hormones de croissance. Il faut que je prenne une photo. Tu viens de dévorer Docteur Colosso? Je vais bien! Et ça va se retourner contre elle! Parce que je vais atterrir directement dans ses cuisses! Là, tu es allé trop loin, gros tas de feuilles! Personne ne s'en prend à mon lapin! Monstrueusement grande et hermétique au pouvoir! Je suis trop fort! Tu as déjà avalé toute ma nourriture et mon ami! Mais qu'est-ce que tu veux de plus à la fin? Je regrette, mais je ne fais pas partie du menu. Ne bouge pas, docteur Colosso, je reviens. T'en fais pas, docteur, je vais te sortir de là. Préparez des serviettes. On se croirait dans un gros sac de viande hachée, ici. Alors, cet antidote, il est prêt? Et ça y est, il faut lui faire boire. Ta chaussure. Quoi? Ce sont mes ballerines préférées. Phoebe! D'accord. Hé, hey, grosse bouffe. C'est pas vrai! Elle refuse de prendre la part, c'est nous qui l'intéressons! Attends, donne-moi ta chaussure! D'accord. C'était mes plus jolies ballerines! La plante a mangé ton lapin, pas vrai? Alors donnons-lui ce qu'elle veut! Bon, imprègne cette peluche d'antidote. Et dépêche-toi, Daphné, à les rafamer! Et un panier à trois points! Ça, c'est de la balle! J'ai attrapé cette chose. Quelqu'un peut me faire couler un bain? La plante. Chocolat. Allez, au suivant. Quoi? Non, il faut qu'on en reprenne. Ça peut pas être ma photo d'album de promotion. D'accord. Un sourire. Mais comment ça maintenant? Et n'oublie pas de dire cheese. Cheese. Oh, oh. C'est toi? J'étais juste en train de... Toboggan à l'huile? J'approuve. Billy, toi dans l'eau! Billy, non!
désolé, mais je parle pas le pu du bec. Tu vas être en retard pour le cours de biologie. J'en peux plus vivre dans l'angoisse, on arrête tout. Je te propose une trêve et on n'en parle plus. Ça te va? Oh! Ce sera terminé quand j'aurai décidé que ce sera terminé. Et tu peux me croire, c'est loin d'être terminé. Oui, enfin, sauf que j'ai pas l'intention de me laisser faire. Si tu veux continuer la guéguerre des blagues, je suis partante. Oh, c'est ta console de commande des blagues? Phoebe, c'est pas une bonne idée. Arrête, ne touche pas à ça. Pourquoi? Parce que j'ai raison. Oh, ce gros bouton, je vais appuyer dessus. Ça a l'air très important. Je t'en supplie, n'appuie pas sur le rouge. Alors comme ça, tu veux pas que j'appuie sur le gros bouton rouge? Bon, d'accord. Oups! Tu viens d'appuyer sur le bouton d'autodestruction, Phoebe! Ouais, bien sûr! Vous venez de lancer le processus d'autodestruction. L'antre s'autodétruira dans exactement 10 minutes. Ouh! Son et lumière plus ordinateur qui parle, t'as dû engloutir la totalité de ton argent de poche dans cette blague. Non, Phoebe, ma blague, c'était de ne pas te piéger et de te faire tourner en bourrique. Il y a forcément quelque chose dans tout ce que t'as commandé qui pourrait servir. Destruction complète dans 20 secondes. C'est fini, Phoebe. On est cuit. Terminé pour nous. Zien, clap de fin, capoute, c'est la fin des haricots, on va tous mourir. Non, c'est pas terminé tant que j'ai pas dit que c'était terminé. Quoi? Autodestruction imminente. 5, 4, 3. Voilà, maintenant c'est terminé. Ça pique trop, ce taco est farci aux flammes de l'enfer. Jalapeño. Une fontaine de sauce piquante. Qui est assez horrible pour faire une chose pareille? Moi. Quoi? Qui a mis de la glu sur les parois de la fontaine? T'as encore frappé fort, Supercop. Pour rien te cacher. Waouh. Un mur d'intello. Vous êtes capable de bouger? Super, en arrière maintenant. La farce que t'as faite au proviseur était incroyable. C'était génial, tout le lycée ne parle que de ça. Ah, vous êtes mes fans, hein? Tu veux que je te fasse une dédicace? Ouais, c'est top. Voilà pour toi, Tim. Trop cool, appelez-moi Tim maintenant. Hé, hey, le roi des farceurs, attends. On se demandait si tu pouvais nous apprendre ta science des farces parfaites. Oh, vous avez passé un cap, on dirait. C'est parce qu'on a eu le meilleur prof. Installe-toi confortablement, cher mentor. Tu seras aux premières loges pour notre farce. Top, ce fauteuil. Alors, où est la farce? T'es assis dedans, gros poisson. Comment ça? Spire, non! Laissez Max au commandement! Vous allez me le payer! Edenville High! Inclinez-vous devant vos nouveaux rois de la farce! Car le roi précédent vient d'être détrôné. Comment oses-tu? Comment osez-vous? Oh, vous avez vu qu'il fallait me cibler dans le DVD! C'est bien toi qui a dit, si tu veux être le meilleur, il faut s'attaquer au gros poisson. Je pense qu'il y a un petit souci. Vous êtes mes sbires.
Le seul moyen que j'ai de parvenir à mes fins, c'est de marcher sur vos petits crânes d'œufs fragiles. Ouais, c'est vrai, on était tes sbires. Mais c'est fini, c'est nous les rois. Salut, ça va? Salut, le has-been. Touché. Vous m'avez détrôné, félicitations, vous êtes les nouveaux rois. Garde ton venin pour toi, serpent. Ça n'a aucun sens, Tom. Oui, je sais, j'avais juste très envie de dire ça. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas eu le temps de faire ma farce ultime. Une vidéo que je voulais diffuser pendant le grand discours de Bradford. Jeu de main, jeu de vilain. Pitié, ferme-la, crétin. Enfin, j'ai super envie de voir ce que vous avez prévu pour l'occasion. À tout à l'heure. Oh, oh, Max a laissé son casier ouvert. Oh, vite, il faut le refermer. T'es sur la corde raide, Tom. Et si on regardait en quoi consiste cette farce ultime? Attendez, c'est bien qui se croit là-dessus? On va devenir des légendes vivantes. Salut. La zig, c'est ma passion depuis toujours. Et je change le monde note après note. Mais qu'est-ce que... J'anime des anniversaires, j'adore ça. Non, non, attendez, c'est quoi ça? Qui a fait ça? Vous arrêtez cette vidéo, ce n'est pas la bonne. Le premier morceau s'appelle Hier. Ça le fait bébé. Non, non. Vous allez savoir pourquoi. Chers confrères, on entre au panthéon des farceurs. Dehors, c'est terminé. Tout le monde dehors. Attends, c'est bien qui se croit? On va devenir des légendes vivantes. Si on diffuse cette vidéo pendant le discours, ce sera un coup de génie. Lionel, Jack et Tom, vous avez embarrassé notre proviseur bien-aimé. C'est pas cool du tout. C'était plus que méchant. Oui, et tu le sais, bébé. Ça avait tout d'un tube. Vous trois, levez-vous et présentez vos excuses à Monsieur Bradford, tout en recevant une bonne douche de pop-corn sauce caramel. Tu mets du fromage blanc dans cette boîte. Nora veut un Noël blanc comme neige, alors je vais lui en fournir un. Avec un peu de bol, le fromage sera moisi quand elle ouvrira le paquet. Je suis l'esprit de tes Noëls passés. Dégage. Hé, hey, comment t'as fait ça? Je viens de te le dire, je ne suis pas Phoebe. Je suis là pour te montrer que toutes tes tentatives précédentes pour gâcher Noël ont échoué. Genre carrément à fond. Dis-moi, l'esprit des Noëls passés, à quelle époque cet accoutrement était considéré comme cool? Dans les années 80, gros naze. Bien, viens voir comment t'étais méga nul dans le passé. Hé, hey, j'ai toujours gâché Noël et je le ferai jusqu'à ma mort. Ouais mec, laisse béton et va dormir. Non, je rigole. Bon, si tu continues, je vais te dire Barbara, toi aussi. C'est notre dernier Noël à Métroville, et c'est uniquement de ma faute. Allez, soyez cool, ouvrez vos paquets. Cool, un morceau de caca préhistorique. Billy, c'est un morceau de charbon. Oh, oh. Joyeux Noël des nages. Franchement, j'ai mis la barre très bas cette année-là. L'esprit de Noël ne s'en est toujours pas remis. Oh, pas terrible au départ, mais c'est devenu méga géant par la suite. J'ai une super idée. Donnez-moi tous vos bouts de charbon. Le plus gros diamant que j'ai jamais vu. On est riche. Bon, on n'est pas riche, mais peut-être qu'avec ce qu'on en tirera, on pourra prendre notre retraite et passer plus de temps avec les enfants. On pourrait s'installer dans un pavillon et leur offrir une enfance normale. Oh, on m'a dit que Edenville, c'était génial. Et comme ça, Max ne serait plus sous l'influence des super-vilains de Métroville. Et l'esprit de Noël a encore vaincu. Merci, Max. Enfin, c'est quoi tout ce raffut? T'as encore fait un cauchemar? Oui, mais cette fois, j'ai pris conscience de mes actions. Je crois que j'ai appris des choses importantes concernant Noël. Ne bois pas le punch de ton père parce que j'ai barboté dedans.
J'ai vraiment été nul. Faut être super mesquin quand même pour vouloir gâcher le Noël d'une petite fille. Quand on a la possibilité de gâcher celui de toute la famille. Max Sunderman, tu as privé toute ta famille du bonheur de Noël. Oui, c'est vrai. Et t'y peux rien, l'esprit. Oh là, suis-moi, je vais te montrer comment ça se passe pour vous dans le futur. J'aurai un sucre d'orge géant? Non. Ouh. Qu'est-il arrivé à notre ancienne maison? C'est ici que Nora habite, seule. Elle avait tellement de bons souvenirs ici qu'elle est revenue pour garder l'esprit de Noël vivant. Ouh, elle a oublié de payer les factures du chauffage dans le futur? C'est pas grave, on n'a pas besoin de feu. On peut se tenir chaud tous ensemble. Écoutez tous, c'est vraiment génial. Cette année, on va manger une boîte de rognons. Et laisser un peu de place pour le dessert. Regardez, on a des bonbons à la menthe. Pourquoi est-ce qu'elle donne des bonbons à la menthe à ses poupées? Vas-y, c'est pour toi. Nora a refusé de passer du côté obscur, alors ta famille l'a reniée sans pitié. Et maintenant, elle fait les poubelles pour son dîner de Noël. Oh, j'ai failli oublier. J'ai une surprise spéciale pour toi, Max. Cours, Max, vite, sauf qui peut. Joyeux Noël, grand frère. Je te pardonne d'avoir gâché Noël et d'avoir détruit notre famille. Attends, elle me pardonne? Je t'aime, tu sais, Max. Nora, celui-là est pour toi. Hé, hey, il n'y a rien du tout. Comment ça? C'est vide, il n'y a rien dans le paquet. Maximus Octavius Sunderman, comment oses-tu? Oh, attendez, il y a quelque chose au fond. Oublie ça. Jette un œil dehors, bisous, Max. Oh, mais quoi? C'est trop cool! Il neige pour de vrai! Oh. Je savais qu'il allait neiger! C'est le meilleur Noël de toute ma vie! Comment t'as réussi à faire ça? Je suis un génie, vous avez déjà oublié? J'ai utilisé la machine que j'ai conçue pour congeler toute l'eau de la Terre. Et aujourd'hui, elle fait de la neige pour Nora. Je t'adore, Max. Je l'aurai, ce rebelle masqué, et je lui infligerai la pire des punitions pour un jeune lycéen. Être proviseur pour un jour? Non, il passera ses pauses déjeuner à travailler à la cantine. Max, le rebelle masqué, je le tiens, mon article. Si je découvre son identité, ça fera la une et j'aurai un A. Rebelle masqué, comme convenu, nous sommes seuls. Pourquoi t'es habillée comme dans les films en noir et blanc? Je suis une journaliste consciencieuse et très stylée. Tu suis un cours de journalisme donné par le prof de sport. Bref, dis-moi pourquoi tu as choisi le nom de rebelle masqué. Je préfère conserver un voile de mystère pour nourrir ma légende. Pourquoi il fait si sombre là-dedans? Quoi? Maman, t'as levé le voile sur mon identité! Excuse-moi, mon chéri, tu parles à qui? Oh, salut, Phoebe! Pourquoi t'es habillée comme dans les films en noir et blanc? Jure-moi de ne pas le répéter, surtout pas à Bradford. Je vais devoir bosser à la cantine sinon et porter un filet sur la tête. Tu penses à ma liberté? Ça va, relax, Max. Je te promets de ne rien dire. Parole de super-héros, ok? Merci. Mais je veux avoir un A. Non, oh, et bien sûr, il y a un mais. Je veux une photo exclusive du rebelle masqué avant qu'il n'accroche sa prochaine affiche. Tu flouteras ma tête? Je floute toujours ta tête. Ok, c'est d'accord. Cette journée s'annonce exceptionnelle. Dis-moi qui c'est, Phoebe, c'est un ordre. Ok, j'ai parlé trop vite. Allez, je t'écoute. Ok, monsieur Bradford, pour être honnête, je peux pas vous le dire. Phoebe, comment as-tu osé... Attends, quoi? J'ai promis à ma source que je la protégerai et je tiens toujours mes promesses. Merci beaucoup. Je dois t'avouer que je suis très impressionnée par ton intégrité. C'est vrai? Non. Dis-moi tout de suite qui est le rebelle masqué. Ou c'est toi qui vas aider à servir les repas à la cantine? Vous n'êtes pas sérieux. Tu tiens encore à protéger ta source? Je vous l'ai déjà dit, je refuse de la trahir. Tu continueras à travailler ici alors. Bien, prépare-moi 500 hot dogs d'ici la fin de la journée. Quoi? Mais je vais louper mon cours?
Oh, c'est vrai, ce n'est pas juste. Dommage que j'en ai rien à tirer. C'est bizarre. Pourquoi Bradford aurait besoin de 500 hot dogs? Tu crois qu'il cache quoi? Je sais pas, un deuxième estomac? Non, il doit sans doute mijoter un truc. Et si tu découvres ce que c'est? Je pourrais l'utiliser contre lui et ne plus travailler ici. Il le sait, Bradford, qu'il y a des matchs de catch au lycée. Et du catcheur! Je crois qu'il le sait, oui. Bradford est un catcheur? Donc sa vie à l'extérieur de l'école se déroule à l'école? C'est d'une tristesse. Ouais, une photo de lui qui organise un match de catch au lycée me permettra de ne plus bosser à la cantine. Oh, je dois lui enlever son masque. Et mince, il est coincé sur sa grosse tête. Comment je vais le lui enlever? Attends, j'ai une idée. Je vais lui enlever. Et voilà, le challenger est à terre. Un, deux. Pas si vite. Une catcheuse mystère a fait son entrée sur le ring. On a donc affaire à un duo de challengers. S'il y avait des règles, ce serait sûrement interdit. Merci. Alors on se lance. Ok. Je pensais pas qu'il serait aussi doué. Et du catcheur cherche quelque chose à l'extérieur du ring. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Il l'a trouvé! La planche à éduquer! Oh, ce sport manque cruellement de règles! Le plus enflammé de toute l'histoire du catch de lycée. Alors, qui sont nos nouveaux champions? Je suis le rebelle masqué. Oh, je le savais! Et moi, je suis l'envoyé catcheuse. Virez-moi de la cantine où j'envoie cette photo de vous au bureau de l'éducation. D'accord! Je déteste votre famille! T'as réagi bizarrement à l'annonce d'Anderson, super. Dis-moi pourquoi, ou je fais ça. Aïe, mon oreille. Tu sais qu'elle est sensible. Parle. D'accord, d'accord. Bon, en fait, je me suis souvenu que quand j'étais encore méchant, j'avais programmé une méga boule puante pour qu'elle explose pendant la remise de prix de cette année. Quoi? Comment t'as pu oublier ça? Je préparais plein de mauvais coups à l'époque et je pouvais pas me payer d'assistant. Voici les armes les plus dangereuses que notre famille a récoltées. Hey, tu t'en souviens? C'est le pistolet à crotte de nez que j'ai fait. Oui, je me souviens très bien du jour où la cantine nous a servi des crottes de nez. Hey, qu'est-ce que tu dis de ça? L'orbe qui contient les pouvoirs de Lord Chaos? Ouais, on pourrait transférer ses pouvoirs dans l'un d'entre nous et utiliser ses bombes plasmiques pour détruire la boule puante. Mais t'as perdu la boule? D'habitude, c'est moi qui dis ça. Ses pouvoirs sont hyper maléfiques. Ils pourraient nous faire devenir méchants. Ça aussi, tu le dis souvent. Comment tu peux vivre comme ça? L'orbe peut être notre dernière chance d'intégrer la Force Z. C'est trop dangereux. Et je pense pouvoir fabriquer un pistolet électroplasmique à partir de ces armes. La cérémonie est dans une heure. Phoebe, détends-toi. T'es face à un pro. Oh. Allez, je vais charger mon pistolet et activer le plasma. Oh. Vas-y, mon petit, envoie-nous le jus. Hé, hey, Max, ça va pas te plaire, mais il y a quelque chose que je dois faire. Les toilettes ne marchent pas, je te rappelle. Ce que je veux dire, c'est que... Wouhou! Il sera bientôt chargé. Oh, je vais me retenir, alors. Garde ça pour toi, Phoebe. Combien de citrons est-ce que tu dois encore mettre pour le charger? Si mes calculs sont bons, 3 jaunes et 1 vert surprise. Si cette boule explose, tous les invités là-haut vont sentir le dessous de bras d'éléphant. C'est plus des dessous de pattes, ce qu'ont les éléphants. C'est pas ça le problème! Oh, désolé, Max, mais je peux plus te laisser arranger ça. T'as pas d'autre choix. Tu peux rien faire pour réparer ça. Je sais que je peux rien y faire. Mais Lord Chaos le peut. Non, il peut pas, sauf si... Oh mon Dieu, t'as pris ses pouvoirs!
Tu ferais mieux de t'écarter. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Excusez-moi, j'ai l'estomac qui aboie après avoir mangé ce hot dog. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'emprunter les pouvoirs de Lord Chaos? J'avais pas le choix. Je t'avais dit que c'était dangereux. Oui, pour toi, mais je peux le gérer. Et puis c'est pas ta petite brique de jus de fruits qui allait nous sauver. C'était étonnamment puissant. Tu vois, j'aurais pu réparer ma bourde. J'avais pas besoin de toi. On peut se concentrer sur le positif. Notre avenir en tant que super-héros est assuré. Et ça sent bon le citron là-dedans. Oh non, Max! J'ai perdu le bracelet que tu m'avais offert. Il a peut-être glissé sous la table. Attends. Est-ce que tu le vois? Tchou! Tchou! Désolée, je suis allergique à la fourrure. J'espère que ce n'est pas ma moustache. J'ai oublié de me raser. Moi dire pardon. Tatiana voir pas terrible avec lunettes noires dans un restaurant. Ne t'arrête pas, femme en fourrure. Ma copine est allergique à ton bonnet bizarre. Désolée, Tatiana pas vouloir gâcher le repas américain en amoureux. Je suis vraiment dégoûtée d'avoir perdu ton bracelet. T'en fais pas, on ira regarder du côté de la pince tout à l'heure. Mais avant, si tu permets. Il ne faudrait pas que ça gâche notre rendez-vous. Quoi? Attends, j'ai un truc sur la figure. Une miette? C'est juste que tu... Vous vous demandez pourquoi je vous ai tous réunis ici? Pour qu'on puisse prendre des photos. Non, non, pas de photos! Si je vous ai réunis, c'est parce qu'une des personnes présentes dans cette pièce m'a fait avaler en douce un haricot bleu de Bolivie. Un truc qui colore la peau en bleu pendant 24 heures. Alors, tu vas ressembler à un schtroumpf toute la journée? Silence! Je gardais ces haricots dans mon antre pour transformer Phoebe en... Enfin, c'est pas important de savoir pourquoi je les avais. Personne ne quitte cette pièce avant que je trouve le coupable. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Hé, sortez votre sale museau de mon sac! J'intercepte! Comment ça s'est retrouvé là? C'était toi! Oui, c'était toi, la russe au bonnet en fourrure au splat burger! J'avais raison, hein, Tatiana? Moi dire pardon. J'ai mis ce déguisement pour une seule et unique raison. Je voulais pas que le manager du resto me voie là-bas en même temps que Max. Et en plus, je me sentais trop glamour en fourrure. Et pourquoi je devrais te croire? Je vois bien une raison. Oh oui, moi aussi une grosse raison bleue. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Tchou! Ah, tchou! Oh non! C'est peut-être à toi que je suis allergique. Non, 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 c'est pas moi, c'est le bonnet débile que portait ma sœur. C'est ce truc qui te fait renifler comme un phoque. J'ai compris. Le bonnet en fourrure. J'ai enfin identifié le criminel. J'ai remarqué qu'ici, comme à la maison, Maddie a été prise de crise d'éternuement due à la présence de fourrure. Bah, justement, mon bonnet est en fausse fourrure. J'étais déjà au courant, Miss Kremlin. À la maison, j'ai vu que c'était de la fausse fourrure sur l'étiquette. Et j'ai réalisé qu'il y avait une autre cause. Le monstre de la morve! Non! C'était la personne qui m'a transformé en homme bleu. La personne qui se cache dans le seul endroit où jamais on irait chercher un criminel à fourrure. À l'intérieur de la pince! Oh! Le docteur Colosso! Oh! Salut tout le monde! C'est votre cantine aussi? Docteur Colosso, vous êtes pris la main dans le sac, le pied, la patte. Quoi qu'il en soit, vous êtes coupable. Non, tu ne peux pas le prouver. Oh, mais bien sûr qu'il le peut, Docteur Colosso. Tu peux le prouver, hein, Max? Oui. Grâce à un flashback du plus bel effet. Tout se passait le mieux du monde avec Maddie grâce à mon charme légendaire. T'es trop gentil, Max. À chaque fois que je verrai un hippo obèse, je penserai à toi. Et si on immortalisait l'instant avec un selfie? Alors qu'on se prenait en photo avec ravissement, Nora, la trafiquante de Splatwitch, entrait en jeu. Mais ce n'est pas la seule marchandise qu'elle transportait. Sans qu'elle s'en aperçoive, le docteur Colosso jouait les clandestins dans sa poussette. Une fois introduit sur les lieux de son crime, le docteur n'avait besoin que d'une distraction. Et Billy lui en a fourni une. Les Splatwitch sont offerts.
orge à l'œil. Oh non, Max, j'ai perdu le bracelet que tu m'avais offert. Il a peut-être glissé sous la table. On s'est penché sous la table pour chercher le bracelet. Tchou, tchou. Le docteur venait d'entrer en scène. C'est sa fourrure qui a provoqué les éternuements de Maddy. Tchou. Désolée, je suis allergique à la fourrure. Notre coupable n'avait plus qu'à profiter de l'incident pour lancer le Bolivien dans mon Splatwitch. Ensuite, l'alter ego russe de Phoebe lui a fourni l'opportunité parfaite pour filer à l'anglaise. Oh, on va dire pardon. Ni vu ni connu. Comme ça, il s'est enfui. J'ai vu que vous et vos amis vous êtes inscrits au concours de talent. Oh non, ce ne sont pas mes amis. Ils ont vraiment une bonne influence sur vous. Ils n'ont aucune influence sur moi. À plus tard. Même Bradford croit que je deviens un gentil garçon. Je dois me trouver un groupe de délinquants, le plus vite possible. Hé, hey, mesdemoiselles, je suis Max Sunderman. Je voulais juste vous dire que je suis fan. En fait, nous avons une passion commune. Et de quelle passion est-ce que tu veux parler? Ah, de celle-ci. Wow, trop du cool. Sucre. Vous voulez qu'on traîne ensemble? On ne peut pas nier que tu as certains talents. Et tu es joli garçon. J'aime bien ça. Moi, je vais pas à votre lycée. D'accord. Tu peux traîner avec nous si tu veux. Max! Pourquoi est-ce que tout le monde me fait ça? Devine quoi, on a un petit quelque chose. Pourquoi? Les gars, je veux pas que vous m'achetiez des trucs. Pourquoi pas? On est tes amis. Meilleurs amis du monde! Non, pas de câlin. On n'est pas les meilleurs amis du monde, Don. Juste un groupe. Aïe! Je suis un vrai génie. D'accord, Max. Maintenant, tu t'apprêtes à devenir l'un des nôtres. Et ce sera toi le plus bizarre d'entre nous. Tu vois ce groupe qui s'échauffe? On va aller voler la machine à pop-corn qui se trouve derrière eux. Pendant une seconde, j'ai cru que t'allais dire qu'on allait voler tout leur matériel. Alors ça, c'est une méga bonne idée. Bien joué, le nouveau bizarre. Les filles, vous avez vraiment une mauvaise influence sur moi. Je voudrais vous remercier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle sangle de guitare. Oh. Pour Max, tu n'as peut-être pas un rond, mais tu as de vrais amis. Bande de faillots. Je vais prendre ce truc. Le chien que j'ai volé a besoin d'une nouvelle laisse. Rends-moi ça tout de suite. Tu nous avais pas dit que ces mecs n'étaient pas tes amis? Si, mais ils le sont. Enfin, ils l'étaient. Une fille était en train de me suivre. Je l'ai semée, mais on devrait apporter tout ça à notre cachette. Vous savez quoi? Vous ne prendrez rien. Si vous voulez voler mes amis, vous aurez affaire à moi avant. D'accord, Max. Tu n'es même pas dans notre lycée, toi! Où est Phoebe quand j'ai besoin d'elle? Max? Qu'est-ce que tu fais là? Où est passée la fille que je suivais? Jade et les deux autres se sont enfuis avec le matériel qu'elles ont volé. Alors c'était bien elles, les bandits. Regarde un peu ça. Ça ressemble à un vieil ordinateur, mais je te parie que si je tape simplement sur... Oh! T'as réussi? C'est l'ordinateur de Thierry! Oh! Et regarde toutes ses affaires! Tu veux dire, regarde toutes nos affaires! On va vous arrêter, bande de voleuses! Mais avant ça, on va vous montrer ce que c'est de voler! Attends, Max, on ne peut pas utiliser nos pouvoirs et risquer d'être découvert, on doit se battre à main nue! Oh! Qu'elles ne vont certainement pas le faire. Aïe! Aïe, 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 aïe! Bon, à nous deux, mon joli garçon! Cire de craie! D'accord, c'est officiellement le combat le plus étrange que j'ai connu. Quoi?